qui était un petit peu, à mon niveau, le fait déclencheur, c'est l'article qui est paru dans Sud-Ouest le 19 juillet, qui relatait un petit peu les résultats de l'étude de l'ATMO sur la qualité de l'air. Dans le secteur, il y a un capteur de l'air qui est situé à Montreux. Et donc là, parce que la plupart d'entre vous, vous l'avez vu, on a le record de France de l'air le plus pollué avec un pesticide qui s'appelle le prosulfocarbone. Donc ça interroge. Et quand on voit ça, en plus, c'est dans des proportions qui, nous dit-on, sont inédites. Donc on s'interroge sur notre santé. Julie, qui va après expliquer qui elle est, ce qu'elle a fait, a créé une page spécifique qui s'appelle « Pour la fin du prosulfocarbone en Pays de Nice ». Aujourd'hui, il y a 200 personnes qui suivent cette actualité-là. Je ne peux forcément que me réjouir de la très rapide mobilisation de la population, de la réponse très franche et nette de nos élus pour qu'on puisse faire émerger justement de l'information et apaiser une population qui, me semble-t-il, est inquiète. J'interviens en tant que membre de l'association Avenir Santé Environnement de Saint-Augustin. Alors j'ai multiples casquettes parce que je suis papa d'un petit garçon de 5 ans qui est en rémission d'un cancer. Et du coup, j'ai adhéré à l'association Avenir Santé Environnement qui s'est créée suite à la maladie de Pauline, donc la fille de Nathalie, qui est partie le 3 décembre 2019. Et donc du coup, qui s'est donné pour objectif de trouver tous les liens potentiels dans notre environnement pouvant induire ou aggraver le type de maladie pédiatrique. Il a été soigné à Bordeaux, à Paris, à La Rochelle. Et les oncologues et les chercheurs avec qui on a échangé nous ont expliqué que dans une majorité des cas, les cancers pédiatriques pouvaient être liés à des facteurs environnementaux. Ils sont première étude à ATMO qui a eu lieu. Donc, qui portait sur 2019 avec les résultats en 2020. Et à l'époque, on a appris que le capteur qui est situé juste devant, donc le capteur de Montroy, avait relevé sur la première étude 33 pesticides dans l'air, avec des taux d'herbicides déjà supérieurs aux autres relevés qu'on pouvait avoir sur Poitou-Charentes. Et la deuxième étude ATMO donc a eu lieu, il y a eu une année de battement, et on est tombé sur donc 2 ans après les résultats qui sont tombés fin juin, avec 41 pesticides dans l'air et des taux records de prosulfocarbone. On est sur un triste record, le record de France du prosulfocarbone. Il faut savoir que ce n'est pas un pesticide classé cancérigène, mutagène, reprotoxique. Donc ce n'est pas un des plus dangereux, mais par contre la quantité nous interroge énormément. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'à la différence de l'air, l'eau potable est contrôlée. Il y a, sur le captage en l'occurrence, ou sur le secteur qui a été distribué, il y a 20 contrôles par an. Ils ne sont pas tous les jours, en tout cas sur toutes les molécules. Ils sont réguliers et donc le contrôle a été fait fin décembre. Le temps de faire le contrôle, de temps d'analyser les résultats, ça a pris effectivement quelques jours. Et une fois que les résultats ont été confirmés par l'ARS, c'est l'ARS qui prend la décision de fermer le captage et d'informer les maires et la population. Donc, sur la pollution de l'air, quelque part, pas de capteur, on ne la voit pas. Elle est invisible par définition, très volatile. Ce qui est inquiétant au niveau de la population, c'est que justement, il n'y a pas de normes. Il n'y a pas de normes, il n'y a pas de contrôle qui pourrait permettre de dire « Ah ben stop, on peut couper l'alimentation en eau, mais couper l'alimentation en air, ça va être plus compliqué. » Molécule par molécule. C'est-à-dire qu'on ne valide pas l'ensemble des molécules qui peuvent se retrouver sur un champ et les métabolites qui peuvent se retrouver. Donc en fait, le problème est plus large. On n'est pas dans le problème de montrer du doigt un agriculteur, on est dans un problème un peu plus large d'autorisation de mise sur le marché de certains produits qui ne sont pas étudiés, couplés avec d'autres. Et ça, il ne faut pas l'oublier. Nous, on milite au sein de l'association pour que on arrive à sortir de ces fameux produits classés cancérigènes, mutagènes et reprotoxiques. On fasse en sorte d'en sortir, mais aussi qu'on substitue ces produits pour qu'on trouve une solution pour les agriculteurs aussi. Mais à titre personnel, je suis concerné aussi parce que j'ai un enfant qui a déclaré un leucémie aiguë en juin dernier, toujours en traitement. Et il semblerait, mais je n'ai pas de chiffres, est-ce que vous en avez, que sur le territoire de La Rochelle, et les environs, il y ait plus de cancers pédiatriques qu'ailleurs. En tout cas, le CHU de Poitiers, qui récupère ces gens-là, ont l'air de dire que sur ce secteur-là, il y en a beaucoup plus. Là, nous, un excès de risque avéré sur Pérennis Arrogatien, chiffré par l'INSERM et par la Ligue contre le cancer, dans le registre national des cancers,
sur la tranche d'âge des 0-24 ans, on a un excès de risque de cancer sur ces deux communes-là. C'était de cofinancer avec la Ligue contre le cancer une étude globalisée à l'ensemble des communes de l'agglomération de La Rochelle. On a fait plusieurs auditions au niveau de l'ANSES, donc c'est l'Agence nationale de sécurité de l'alimentation et de l'environnement, auprès d'Atmo évidemment, pour aller creuser les chiffres qui avaient été donnés. On a eu aussi la Chambre d'agriculture de Nouvelle-Aquitaine et aussi la DRAF, qui est la Direction régionale de l'alimentation et de l'agriculture. Donc ces personnes-là, qui sont des scientifiques, qui permettent de nourrir les échanges, mais ne font pas le lien aujourd'hui, puisque effectivement les études ne sont pas suffisamment encore poussées, même s'il y a des demandes faites de l'agglomération, par l'agglomération et par le ministère aussi, pour qu'il y ait des études, pour faire éventuellement le lien avec la santé. Après, là où je peux vous rassurer, c'est que ce sont, alors ce que les scientifiques me disent, hein, c'est que ce sont des nanogrammes. On est vraiment en très faible quantité. Et donc par rapport au produit, par rapport à cette molécule, on a une exposition à 1% de la valeur de toxicologie de ce produit. Donc 1% de toxicité, c'est pour eux des doses infimes. Ce produit-là est appliqué sur octobre-novembre, sur des céréales d'hiver. Donc la volatilité, elle se fait à cette période-là. Donc on a les chiffres donnés, ils sont sur 3 à 4 semaines, au mois de novembre l'année dernière. Voilà, pour modérer un petit peu les éléments que vous avez pu... Qui est payé pour faire l'étude? C'est ce que je vous ai dit tout au départ, c'est l'ANSES. Oui, parce que je sais qui l'ont fait. C'est ça qui est important d'avoir en fait toujours. Donc, vous dire que l'agglomération et l'association n'avaient pas travaillé ensemble, on n'aurait pas eu ces résultats déjà aujourd'hui. Ça a été financé, on se voit régulièrement sur ces sujets-là, que ce soit l'eau, que ce soit l'air, on essaye d'avancer ensemble. Les résultats ont fait apparaître donc au mois de juillet, début juillet ou fin juin, dont cet excès important de prosulfocarbe. Et donc, la seule possibilité pour des élus locaux, hein, c'est de dire on demande un moratoire. Et puis la chose qu'on a garantie par contre à tout le monde, c'est la transparence. Et j'intercale plusieurs cultures, du colza, du tournesol, des pois, du pavot pour faire les médicaments. Ça, je voulais assister, mais Sud-Ouest n'a pas voulu le mettre. Donc voilà, on interpelle des cultures, c'est pour. C'est un levier technique aussi et sanitaire, ça faut l'intégrer. Du maïs, j'ai du maïs, mais du maïs en culture sèche, j'ai pas d'irrigation. Voilà. Petit aparté, j'aurais de l'irrigation, j'aurais peut-être fait un peu plus de maïs, et derrière les maïs, je peux me passer de prosulfocarbe. Parce que j'arrive à. La culture de maïs permet de nettoyer les raies gras, les lupins. Voilà. On a 4 molécules. Et en gros, j'en utilise 3. Voilà. C'est pour ma part, on m'enlève le prosulfocarbe. J'utilise pas le chlortoluron, par exemple, si on n'utilise pas. Si on l'enlève, ça sera le chlortoluron qui prendra la place un petit peu sur mon exploitation. On peut demander à ce qu'il y ait un groupe d'experts, de médecins, de scientifiques qui se réunissent spécifiquement pour faire des études sur ces cancers pédiatriques, des études longitudinales. D'accord. Non, on n'est pas du tout sur la même longueur d'onde. Moi, je parlais des cancers pédiatriques. Oui, je vous explique les actions qui ont été faites aujourd'hui. L'agglomération de La Rochelle a demandé un moratoire qui est remonté en fait au ministère de l'Agriculture. Le ministère de l'Agriculture a dit effectivement on ne peut pas accepter le moratoire parce que les agriculteurs ont besoin des produits et que si on ne met pas ce produit-là, potentiellement on va mettre un produit plus toxique. Donc voilà, sur le long terme, il va falloir trouver des solutions. En tout cas, par rapport à cette dimension santé, le ministère a demandé une étude. C'est une première chose. Et après, effectivement, ils nous demandaient un encadrement. Je reviens à ce qu'on disait tout à l'heure. Là, pour la fin d'année, monsieur le dit, il va diminuer. Pour monsieur, d'ailleurs, il y a peut-être une volonté d'avancer, mais je pense qu'il faut que tous les agriculteurs aient la même volonté. Donc ça, il va falloir effectivement demander des contrôles. Donc moi, j'ai demandé des contrôles à la direction régionale, à la DRAF et au ministère. Ça semble être dans le bon sens. Donc on aura plus de contrôles. Auprès des agriculteurs au mois d'octobre. Et je finirai parce que j'ai beaucoup travaillé sur les perturbateurs endocriniens. Il faut dire que tous les pesticides sont des perturbateurs endocriniens, tous. Ils sont tous cancérigènes. Après, de là sans passer, voilà, ça c'est notre problème, mais tous les pesticides sont des perturbateurs endocriniens.